Le Covid-19 est provoqué par un virus invisible que toute personne infectée, même si elle n'est pas malade, peut transmettre à d'autres personnes. Toute personne qui est infectée peut transmettre le virus, même une personne non malade. C'est la transmission par l'intermédiaire des gouttelettes émises lors d'une toux ou d'un éternuement, ou bien de manière indirecte lorsque la personne dépose des gouttelettes contenant le virus au niveau d'une surface et qu'une personne touche cette surface et qu'elle se touche, par exemple, les yeux, le nez ou même la bouche. On émet parfois aussi des postillons. C'est à partir de ça que la transmission peut se faire. Quand vous êtes en face de quelqu'un qui parle pendant 5 minutes, le risque de vous contaminer s'il est malade est équivalent au risque d'une toux. Des mesures barrières simples empêchent le virus de passer d'une personne à une autre. Parmi ces mesures barrières, il y a le fait d'éviter de serrer la main, il y a le lavage des mains. Avec du savon, le virus meurt. Vous devez porter le masque parce que par inadvertance, vous pouvez être proche de quelqu'un et lui parler pendant une longue période. Si on ne porte pas de masque lorsqu'on tousse ou qu'on éternue, qu'on le fasse dans un mouchoir en papier, ensuite qu'on le jette dans une poubelle avant de se laver correctement les mains, dans le pire des cas, on peut tousser ou éternuer au niveau du pli du coude. Il y a aussi le fait de ne pas sortir quand on n'est pas obligé de le faire et le fait d'éviter les grands rassemblements, surtout les grands rassemblements où les règles d'hygiène de base et la distanciation ne peuvent être respectées. Ce qui peut empêcher la transmission du virus, c'est vraiment de respecter les mesures dites barrières. Thank you.